Mahmoud Abou Zeid, connu surtout sous le nom de Chawakan, avait été arrêté en 2013 lors d'un sit-in des frères musulmans contre la destitution du président égyptien Mohamed Morsi. Libéré lundi à l'aube, le photojournaliste est rentré chez ses parents au Caire, mais il doit se soumettre à un contrôle judiciaire strict pendant 5 ans. Il doit dormir au commissariat de police de son quartier, tous les soirs. Lors d'un procès de masse tenu en septembre dernier, Mahmoud Abou Zeid a été reconnu coupable de soutien à la révolte des frères musulmans et condamné à 5 ans de prison, une peine qu'il avait déjà purgée. Mais il nie tout soutien à la confrérie à laquelle appartient M. Morsi. Égypte, deux journalistes placés en détention. La libération de Mahmoud Abou Zeid, attendue depuis longtemps, met fin à une douloureuse épreuve pour lui et sa famille, a déclaré Najia Bounem, la directrice d'Amnesty International au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En tant que prisonnier d'opinion, il n'aurait jamais dû être forcé de passer une seule minute derrière les barreaux, encore moins 5 ans et demi, ajoute Madame Bounem.